Oh yeah, les enfants! Salut à tous, c'est Monsieur Madness02 et on se retrouve pour le défi record numéro 7 qui se déroulera cette fois sur F0X, un jeu de course sorti sur Nintendo 64. Un jeu qui m'a été proposé par Trevor38, vu que c'est lui qui a gagné la dernière session des défis records. Donc il a eu le privilège de me donner ce jeu pour étant être le prochain, le nouveau défi record. Alors, je tiens à préciser que avant que l'entrée dans le vif du sujet, le défi record, il commencera le 30 janvier à 13h. Donc le 30 janvier, je crois que c'est le jeudi, voilà, le jeudi 30 janvier à 13h qui commence et se termine vu que c'est le 30, le truc c'est qu'après vu qu'on sera en mode en février, bah ce sera jusqu'au 2 mars, au dimanche 2 mars. À 20h. Et bien sûr, le vainqueur de ce défi record aura le droit de choisir sur quel jeu se portera le prochain. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Tout d'abord, vous devez aller dans Time Attack Record. Et après, dans le niveau Queen Cup, dans Red Canyon. Il faut que, avant de débuter, que vous n'ayez aucun record affiché. Pourquoi ? C'est pour prouver que c'est bien vous qui va jouer et qui va faire ce record. Oui, car l'objectif, comme vous avez vu, ce sera de faire le meilleur score. Non, pas le meilleur score, désolé. Le meilleur temps dans Red Canyon. Voilà. J'espère que vous avez à peu près compris. Donc, une fois que, vous, que bien sûr, l'écran de Red Canyon, là, que je vous remonte là, est bien vide, eh bien, vous allez en Time Attack. Dans Queen Cup, faire Without Ghost, ça dépend, dans Red Canyon. Après, vous prenez n'importe quel personnage que vous désirez. Moi, je vais prendre Pico. Après, vous avez le choix soit de l'accélération et de la vitesse, ça dépend. Après, je vais vous expliquer en détail un petit peu comment ça va fonctionner. Comme vous voyez, ça va se dérouler en 3 tours. Alors, qu'est-ce qu'il va être interdit à faire? Déjà, cheater, utiliser des codes d'action replay, hein, truc basique, et glitcher. Tous ces trucs-là, ça va être interdit. Et aussi, les versions hackées du jeu sont interdites. Hop. Ah ouais, aussi un autre truc qui va être interdit là-dedans, ça va être de tomber. Parce que là-dedans, dans ce circuit, on peut tomber. Une des spécificités de ce F0X, c'est que quand on tombe d'un circuit, eh bien, on meurt direct. C'est la mort. Voilà, j'ai acquéri le boost. Voilà. On va accélérer. On y va à fond. Faisant gaffe à la barre d'énergie qui est en haut, à droite de mon écran. Vous avez une barre d'énergie. Faut pas qu'elle soit dans tomber à zéro parce que sinon c'est vous êtes un peu mort. Hop là, allez hop, on speed. Bien sûr, c'est pas mon temps habituel. C'est juste pour l'entraînement. C'est pour juste pour vous montrer un avant-goût de ce qui se passe. Alors, ensuite, ce qui est autorisé, vous avez le droit de jouer à la version originale du jeu. Mais il y a aussi une version sur. Sur la Wii, c'est-à-dire via Nintendo, la boutique Wii, ou même sur émulateur. Ça, c'est autorisé à jouer à ce jeu. Après, pour les versions, après, ça dépend. Parce que moi, je connais que la version européenne. Donc, je crois que je vais autoriser que la version européenne de ce jeu. Donc, voilà. Là, le défi, comme vous me l'avez vu... Ça a été fait. Là, vous entrez votre nom. Moi, je vais noter, voilà. Mon
temps que j'ai fait. Maintenant que c'est fait, vous quittez. Et après, pour valider votre record, vous allez retourner dans Time Attack Record. Sélectionnez le circuit que vous devez faire, Red Canyon Multi Jump, et restez ici pour finir la vidéo. Donc voilà. Là, vous avez vu à peu près comment c'est. Et puis voilà. Mais bien sûr, on va pas s'arrêter là. Je vais encore expliquer quelques petits trucs. Je vais juste refaire quelques petites courses sur ce circuit-là pour le fun. Parce que voilà. Hein, ça, je me suis gouré. Désolé. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc vous pouvez jouer à la version. J'autoriserai que la version européenne parce que vu que je connais pas la version américaine ni japonaise de ce jeu, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Mais bien sûr, vous pouvez jouer sur tout type de console, évidemment, tant que c'est pas hacké. Puis voilà. Je crois que ça a été tout dit. Ouais. Ah, et bien sûr, vous avez le droit de m'envoyer jusqu'à 3 vidéos records, comme d'habitude. Parce que si vous en faites plus, je compterai pas. Et aussi, si vous jouez sur console et que vous filmez avec une caméra, faites en sorte que ça soit au moins lisible et fluide pour faire en sorte que on voit bien quoi, comme moi je suis en train de faire. Donc voilà, soyez un peu plus. Après, pour certains logiciels, vous utilisez Fraps, DXstory, un peu plein de différents logiciels pour enregistrer votre écran si jamais vous jouez sur émulateur. Après, je vous laisse le bon choix de n'importe quel mode pour filmer. Là, je suis dans le rouge, là, je suis déjà mal. Essayez un peu d'occuper la vie. Voilà. Maintenant, on va speeder. Hop, voilà. Et c'est fini. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et bien sûr, je vous remets en bas de la vidéo l'adresse auquel vous devez m'envoyer un mail pour pouvoir participer. Comme ça, ça va pouvoir... voilà. Oh, si je parle pas beaucoup, c'est parce que je suis un peu fatigué, mais bon. Au moins, si jamais vous avez des questions à propos de ce défi record, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire sur cette vidéo. Et plein d'autres trucs, de toute façon, je serai là pour vous aider, si jamais vous avez besoin d'aide. Bien, j'espère qu'au moins cette vidéo vous aura aidé. Donc, comme je le répète, une dernière fois, avant de commencer sur le Red Canyon, vous effacez bien le record que vous avez fait dès le début. Après, vous allez faire votre temps, votre course normalement, et une fois qu'elle est finie, vous retournez dans record, dans le même circuit, pour montrer le score que vous avez fait. Et bien sûr, il doit être dans le numéro 1, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez surtout pas d'abonner-vous à ma chaîne si vous aimez suivre mes vidéos. Et je vous souhaite à tous bon courage pour ce nouveau défi record que je vous répète qui commence aujourd'hui même le jeudi 30 janvier à 13h et qui se finit le dimanche 2 mars à 20h. Et comme d'habitude, le vainqueur choisira sur quel jeu se portera le prochain défi record. Bien! Voilà, c'est après ça que je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.
mean.